Les élus du Conseil départemental jeune étaient réunis pour la première fois en session ce mercredi à La Roche-sur-Yon. 57 conseillers juniors élus en octobre dernier au sein de leur établissement par leurs camarades d'école. Ces élèves de 5e et de 4e sont issus des collèges et des MFR de tout le département. Ils ont désigné hier leur président et leur vice-présidente. De jeunes élus qui, vous allez l'entendre, affichent déjà une volonté d'engagement. C'est important parce que ça nous prépare peut-être à une vie politique. C'est aussi assez important pour apprendre la citoyenneté et être un bon citoyen. J'aime bien la politique. Et après, la présidence, c'est parce que j'aime bien relever des défis, on va dire, et les gagner. Il y a une mission essentielle, c'est de faire prendre conscience à ces jeunes, mais ils en sont déjà conscients, de l'engagement civisme, de citoyenneté qui est le leur. C'est aussi cette ouverture vers les autres et cette écoute aussi des autres. Et puis cet esprit de solidarité pour servir un département, servir leur collège, et pas simplement leur collège de façon individuelle, mais les collèges dans leur ensemble.